Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue. Alors, avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. La forme, même s'il fait, c'est humide et froid, tant que la rivière Chaudière ne soit pas gelée, alors on va sentir l'humidité dans notre beau petit coin de Saint-Georges. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la consultation publique, le 714-2018. Le règlement 714-2018 est un règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à créer une affectation de conservation et agrandir trois affectations commerciales. L'affectation conservation, c'est un terrain qui est un milieu humide qui a été cédé, qui a été donné à la ville, qui doit être préservé. C'est en entente aussi avec le ministère de l'Environnement. On est au sud du ruisseau d'Ardoise, vis-à-vis à peu près la 132e rue. Au niveau des affectations commerciales, la première, c'est on inclut dans l'affectation commerciale un terrain résidentiel qui est le 515-27e rue. Ça vise à agrandir le stationnement de la MRC Beau-Sartigan. La deuxième affectation, c'est dans la 98e rue, c'est pour agrandir le décaqué qui est dans le haut de la 98e rue. Et enfin, la troisième affectation, c'est le 184-20 boulevard Lacroix, qui est Appalaches Performance. Dans ce cas-là, c'est qu'on agrandit vers l'arrière l'affectation commerciale pour aller à la même profondeur que les terrains voisins. Donc, on est en consultation publique depuis le 9 octobre et les dispositions ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire. Alors, concernant cette consultation-là, est-ce qu'il y a des points, des éclaircissements à donner? Je pense que c'est très clair. C'est beau. On prend une proposition, non? Non, pas besoin. Alors, maintenant, l'ordre du jour, pour ce soir. Il y a deux autres consultations. Le 715, oui. Trop rapide. Le règlement 715-2018, c'est un règlement qui amende le règlement de zonage. Ça vise à créer une zone de conservation pour un milieu naturel protégé et agrandir deux zones commerciales. Donc, ça donne suite à ce qu'on vient de voir au niveau du plan d'urbanisme. Donc, on crée la zone CO399 le long du ruisseau d'Ardoise, vis la 132e rue. Le seul usage permis dans cette zone sera conservation naturelle. On agrandit la zone CD741 en y incluant un terrain résidentiel, soit le 515-27e rue, pour agrandir le stationnement de la MRC. Et on agrandit la zone CD231 dans la 98e rue pour permettre l'expansion du deck hockey. Encore là, on est en consultation publique depuis le 9 octobre et les modifications sont susceptibles d'approbation référendaire au niveau du règlement de zonage. Questions? Éclaircissement? C'est beau. Le 716? Le 716, c'est pour un règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est pour approfondir la zone commerciale derrière le 184-20 boulevard Lacroix, qu'on a vu aussi au niveau du plan d'urbanisme. Donc, on agrandit la zone CD602 de façon à avoir la même profondeur commerciale pour le 184-20 boulevard Lacroix que les terrains voisins. Encore là, on est en consultation publique depuis le 9 octobre et la modification est susceptible d'approbation référendaire. Finalement, question. Éclaircissement, merci. L'autre, c'est les dérogations mineures. Ils sont inclus dans l'autre? Oui, la demande de dérogation mineure, c'est pour le deux lots dans la 45e rue Nord. C'est pour le. Je vais juste prendre le bon. C'est pour les. Donc, c'est pour permettre pour le lot 6 272 768 dans la 45e rue Nord. Un terrain ayant une superficie de 3 000 m² alors que la norme est 4 000 m², une profondeur de 60 m alors que la norme est 75 m. Et pour l'autre terrain voisin,
C'est pour permettre une marge de recul de 16,99 mètres, alors que la norme prescrite est de 11,25, donc pour mettre le bâtiment plus loin de la rue, et une profondeur de terrain de 41,6 mètres au lieu de 45 mètres. OK. Juste pour, c'est dans l'ouest, là? C'est dans 45e nord, dans le bas de la rue. Là où on a rallongé les services, là, prolongé les réseaux, ça. À la oui. demande du propriétaire. Question? C'est beau? Merci. Alors, maintenant, nous allons aller à la séance proprement dite. Vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à rajouter? Ici, à ma gauche? Non? À droite, non? Oui. Il y aurait, M. le maire, deux modifications. On enlèverait les items 621 et 622 parce que c'est des dossiers qui sont... Il manque encore quelques documents. C'est les acceptations d'entente là, pour la loi 15. Alors, ça devrait revenir à la prochaine séance. Et on ajouterait 625, qui est l'autorisation de travaux additionnels de caractérisation à l'espace carpédienne. Donc, moins 621, 622 et plus 625. La loi 15, juste pour vous dire, c'est la loi qui concerne les plans de retraite pour les employés municipaux. OK. Alors, ça me prend une proposition pour le... Proposé par M. Thomassin, appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Vous avez eu la charge de lire le procès-verbal de la dernière réunion, la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 22 octobre dernier. Est-ce que vous avez des ajouts, des questions concernant cette séance? Sinon, proposé par M. Fortier Renaud, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Maintenant, nous avons la présentation des projets de règlement et avis de motion, le 4.1. 4.1, c'est la présentation et avis de motion pour le règlement 714-2018, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. C'est le règlement qu'on a vu en consultation publique. Donc, une affectation de conservation pour un terrain le long du ruisseau d'Ardoise vis-à-vis de la 132e rue, agrandissement d'une affectation commerciale dans la 27e rue en y incluant le 515 27e rue, agrandissement d'une affectation commerciale pour le deck hockey dans la 98e rue, et agrandissement de l'affectation commerciale pour le 184-20 boulevard Lacroix. Avis de motion et dispense de la lecture. L'avis est donné par M. Thomassin. Merci. À l'adoption des règlements, le 5.1. 5.1, c'est pour l'adoption du règlement 721-2018, règlement qui modifie le règlement 587-2015 concernant la paix et le bon ordre dans la municipalité. Donc, on amende l'article 22. Le titre de l'article s'appelait « Consommation de boissons alcooliques » et modifié en ajoutant « et de cannabis ». Et on ajoute à cet article-là « Il est interdit dans tout endroit public de consommer du cannabis ». Proposition. Proposition. Proposée par Mme Bougie. Je vais appuyer. Appuyée par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. En passant, concernant le cannabis, je pense que la loi va passer de 18 à 21 ans là, aux prochaines séances lors de la rentrée parlementaire du nouveau gouvernement. Qui est prévu. Ça va passer, mais c'est prévu de présenter ce projet de loi-là. 5.2. 5.2, c'est pour l'adoption du règlement 722-2018. C'est le règlement sur la gestion contractuelle. C'est une obligation que le gouvernement a fait aux municipalités. Donc, le règlement doit prévoir des normes concernant des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le trucage des offres. Les mesures visant à assurer le respect de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme. Les mesures ayant pour but de prévenir des gestes d'intimidation, de trafic d'influence et de corruption. Les mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflit d'intérêts. Les mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demande de soumission et de la gestion du contrat qui en découle. Des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un contrat et des mesures pour favoriser la rotation des éventuels co-contractants à l'égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil obligeant l'appel d'offres public et qui peuvent être passés de gré à gré. C'est beau. Opposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par M. Redmond. Merci. 5.3. 5.3, c'est pour l'adoption du règlement 723-2018, règlement
qui modifie le règlement 602-2015, déléguant des fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité. Ça fait suite à l'adoption du règlement sur la gestion contractuelle et plus tard la politique de gestion contractuelle qui va être adoptée. Donc, les seuils au niveau desquels certains employés peuvent dépenser, pour directeur général adjoint et directeur, le seuil de 5 000 est monté à 6 000 $ Et pour les chefs de division, coordonnateurs, ingénieurs, assistants greffiers, chargés de projet, le seuil de 2 000 $ excusez, est monté à 3 000 $ Proposition. Proposée par M. Redman. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Rollo. Merci. Nous allons passer à l'adoption des résolutions. La 6.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 12 octobre au 2 novembre, selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorières. C'est un montant de 6 306 943,09. Évidemment, ça inclut de certains paiements faits dans le cadre du mur de soutènement. C'est pour ça que les montants semblent plus élevés qu'à certains mois. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Thomassin. Merci. 6.2. C'est l'acceptation des critères d'évaluation pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation des plans et devis pour la construction d'une nouvelle caserne d'incendie. Alors, la loi sur les cités et villes oblige les municipalités de procéder par appel d'offres pour retenir certains services professionnels. Cet appel d'offres-là doit contenir des critères d'évaluation ainsi qu'une pondération associée à chaque critère. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise la publication d'un appel d'offres pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation des plans et devis pour la construction d'une nouvelle caserne d'incendie selon les critères suivants. Présentation de la firme, 10 points. Expérience du chargé de projet, 25 points. Réalisation de projets similaires, 20 points. Échéancier de travail, présentation des biens livrables et compréhension du mandat, 25 points. Expérience de l'équipe proposée et capacité de relève, 20 points. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Redman. Merci. 6.3. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture sur demande de produits d'entretien. Alors, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de deux fournisseurs. Nous avons reçu une soumission, Centre de l'aspirateur TLR Incorporé, 29 382 et 28. Mme Louise Côté, chef de division provisionnement, nous confirme dans un rapport du 24 octobre que la soumission reçue est conforme et elle nous recommande de l'accepter. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte la soumission du centre de l'aspirateur TLR au montant de 29 382 et 28, incluant les taxes. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposé par M. Redman. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.4. Acceptation de la soumission conforme pour la fourniture sur demande de matériel imprimé. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de trois fournisseurs. Nous avons reçu une soumission, groupe Audaz, 26 917 et 95. La soumission est conforme. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil confirme son acceptation et ce serait payable par le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.5. C'est l'acceptation de directives de changement pour les travaux du mur de soutènement et réaménagement de la promenade Redmond. Alors, pendant l'exécution du projet, il y a des travaux supplémentaires qui ont lieu. Nous avons la recommandation de M. Alain Roy, ingénieur directeur de services techniques, à l'effet d'autoriser les directives de changement TDC 01, 02, 04 à 11 et 13 à 17. C'est des travaux qui, dans l'ensemble, totalisent 35 110 $ et 7. Et c'est financé à même le règlement 685-2007. Alors, c'est un ensemble de petits ajouts, de corrections qui ont été faits ou de forages supplémentaires, notamment autour du cadre du ruisseau d'Ardoise. Là. On ne peut pas appeler ça des extras. Non, ce n'est pas des extras. C'est quand on creuse, des fois, il y a des imprévus. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Thomassin, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.6. C'est l'acceptation des plans et estimations pour le remplacement du poste de pompage SP1 WIS. Nous devons procéder au remplacement de ce poste de pompage et de son panneau électrique. D'ailleurs, le poste de pompage ne répond plus aux exigences de débordement du ministère de l'Environnement. Nous avons une recommandation de M. Alain Roy, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter les plans et estimations. La résolution vise donc, dans un premier temps, à ce que le Conseil accepte les plans et estimations pour le nouveau poste de pompage. C'est les plans numéro 313-68, datés du 15 octobre de la firme Stentech, et l'autorise, la dite firme, à les présenter au ministère de l'Environnement. Que le Conseil s'engage également à transmettre au ministère, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée.
Que le conseil s'engage à respecter les exigences de rejet. Que le conseil s'engage à mettre en œuvre un programme de suivi, de transmettre les résultats du programme de suivi au ministère. Et que le conseil confirme au ministère qu'il s'engage à effectuer l'évaluation de la capacité des postes de pompage et des trop-pleins après la mise en service des ouvrages et retourner les fiches au dit ministère de l'Environnement. Proposition. Proposé par M. Renneman. Secondé. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 6.7. C'est exactement le même modèle de résolution. Cette fois-ci, c'est pour la station de pompage SP4 qui est dans le secteur Saint-Jean-de-la-Lande, qui doit être également être mise aux normes là, afin de respecter les exigences de débordement. Proposé. Proposé par M. Fortier-Renaud. Seconde. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.8. Demande de dérogation mineure sur les lots 6 272 768 et 6 272 769, 45e rue Nord. Alors, le propriétaire de ces lots situés dans la 45e rue Nord demande une dérogation mineure pour permettre une marge de recul avant de 13,25 mètres, alors que la norme prescrite est de 9,75, et une profondeur de 40,51 mètres, alors que la norme prescrite est de 45 mètres. Le propriétaire également, le même propriétaire du lot 769 cette fois-ci, demande une dérogation mineure pour permettre une marge de recul de 16,99 mètres, alors que la norme est de 11,25, et une profondeur de terrain de 41,60 mètres, alors que la norme est de 45 mètres. Nous avons une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme concernant cette demande. La résolution vise à ce que le conseil accepte les dérogations mineures dont on vient de parler. Sur ce point, M. le maire, j'aimerais me retirer. Okay. Proposition. Proposée par Mme Bougie. Appuyée. Appuyée par M. Renneman. Et M. Fortier, vous pouvez revenir en pleine séance. 6.9. Accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme Mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. C'est pour les bâtiments 129-45, 129-59, 129-73 et 129-87 sur la première avenue. Nous avons une recommandation de Mme Amélie Ferland, chargée de projet revitalisation centre-ville, à l'effet de donner un accord de principe pour le versement d'une subvention pour la construction de ces quatre nouveaux bâtiments. Le propriétaire doit démontrer qu'il respecte le règlement 673-2017 concernant la revitalisation des bâtiments centre-ville. La résolution vise à ce que, dans un premier temps, le conseil autorise le versement d'une somme de 30 000 $ par bâtiment pour un montant de 120 000 $ représentant le montant total de l'aide financière prévue à construction annexe Lessard, le tout conditionnellement au respect du règlement 673-2017 concernant la revitalisation des bâtiments. C'est un montant qui est financé à même le budget de fonctionnement. Et je le rappelle, c'est pour quatre dossiers. Proposition. Proposée par Mme Fortin et appuyée par M. Thomassin. Merci. 6.10. Acceptation d'une option de servitude entre Énergir et la Ville. Nous avons une demande d'Énergir à l'effet d'obtenir une option de servitude réelle et perpétuelle afin d'installer, de construire, d'exploiter, d'entretenir, de placer, remplacer, maintenir et inspecter des canalisations pour la transmission ou la distribution de gaz naturel sur un immeuble appartenant à Ville-Saint-Georges. Le projet de résolution est à l'effet que le conseil accepte le projet de cession d'une servitude sur le lot 2,295,842 du Quai d'Est du Québec, lequel projet est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et d'autoriser le maire et le greffier à signer. Proposé par M. Fortier-Renaud. Proposé. Proposé et appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.11. Autorisation Club VTT Jarrot-Beauce à circuler sur le prolongement de la 10e avenue. Alors, il y a une demande du club de VTT Jarrot-Beauce à l'effet d'avoir accès au restaurant Le Bec Fin. Cette demande nécessite un droit de circulation sur un terrain appartenant à une compagnie 93-19-35-71 Québec Inc. et sur le prolongement éventuel de la 10e avenue qui appartient à la ville. Une entente est intervenue avec la compagnie privée. Le projet de résolution vise donc à ce que le conseil autorise la circulation des véhicules tout-terrain sur le prolongement de la 10e avenue au nord de la 10e rue, en donnant un droit de passage au club VTT Jarrot-Beauce de façon à ce qu'il puisse se rendre au restaurant Le Bec Fin, conformément au projet d'entente joint à la présente résolution. Proposé par M. Redman et appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.12. Autorisation de terminer la 206e rue par une aire de virage. Selon le règlement de lotissement numéro 151-2005, une rue locale en cul-de-sac peut se terminer par une aire de virage lorsqu'il a été décrété par résolution que le prolongement de cette rue n'est pas requis pour le développement futur du secteur. Nous avons une recommandation préparée par M. Jean-Yves Gosselin, directeur du service d'urbanisme, à l'effet que la 206e rue à l'ouest de la 25e avenue peut se terminer par une aire de virage. La résolution vise donc à ce que le conseil autorise ce lotissement-là et d'autoriser le maire et le greffier à le signer. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je seconde.
Par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.13. Engagement des municipalités dans le cadre du programme rénovation énergétique pour les ménages à faible revenu. Attendu la mise sur pied du programme rénovation énergétique par Hydro-Québec pour les ménages à faible revenu en partenariat avec les municipalités qui ont un programme de rénovation Québec. Attendu que ce programme vise à réduire la facture énergétique des logements privés chauffant principalement l'électricité située dans les zones de revitalisation du programme rénovation Québec. Attendu que dans le cadre de ce programme, la Ville doit s'engager à recommander aux propriétaires qui soumettent une demande de subvention dans le cadre du programme Rénovation Québec de participer au programme MFR en leur faisant valoir les bénéfices liés à leur participation. La résolution vise à ce que le Conseil accepte son engagement à recommander aux propriétaires qui soumettent une demande dans le cadre du programme Rénovation Québec d'également participer au programme Rénovation énergétique pour les ménages à faible revenu. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.14. Demande au ministère de la Sécurité publique dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Alors, le règlement provincial sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit des exigences de formation. Le règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers qui possèdent les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. En décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi un programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Le programme a pour objectif d'apporter aux organisations municipales une aide financière pour que leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement. Le programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés de base requises pour les pompiers volontaires. La municipalité de Saint-Georges désire participer à ce programme et désire demander une aide financière. Le projet de résolution vise donc à ce que le Conseil présente une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du dit programme. Et que M. Sylvain Veilleux, directeur du service incendie, soit autorisé, autorisé à signer les documents. Proposé par M. Thomassin, appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.15. Appui de la municipalité au fonds de maintien des services de proximité. Attendu les difficultés rencontrées depuis plusieurs années par les municipalités du territoire quant au maintien des services de proximité, tels les marchés d'alimentation, cliniques médicales, stations de services et autres. Attendu les moyens, leviers financiers limités dont elles disposent. Attendu que la perte de ces services ne favorise pas la rétention des citoyens en région et l'occupation du territoire, le projet de résolution vise à ce que le Conseil appuie les municipalités de la MRC Beauce-Sartigan, les MRC du Québec et la Fédération québécoise des municipalités pour solliciter le gouvernement du Québec afin qu'il mette en place un fonds pour y verser 50 millions annuellement pour les 4 prochaines années, permettant ainsi le maintien des services de proximité dans les milieux ruraux. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Fortier-Renaud. C'est 6.16. Acceptation d'une entente entre la commission scolaire de la Beauce-et-de-Chemin, la Ville de Saint-Georges et l'École primaire des Citelles. La Ville verse à l'École primaire des Citelles, à titre de participation, au coût de réaménagement de la cour d'école, la somme de 18 % du coût total du projet, soit un montant maximum de 12 000 $. La commission, l'école et s'engagent à mettre à la disposition des citoyens de Saint-Georges, en dehors des heures scolaires, la cour de l'École primaire des Citelles et les installations qui s'y trouvent pour une période minimale de 10 ans. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise la signature d'une entente entre la Ville, la commission scolaire et l'école, qui inclut le versement de l'aide financière de 12 000 $ et autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Redman. 6.17. Nomination des membres sur le comité des loisirs et des sports. Alors, le terme est des mandats de 3 membres de la commission, du comité des loisirs et sports vient à échéance le 13 octobre. Est venu à échéance, oui, le 13 octobre 2018. Nous avons l'intérêt de messieurs André Lessard et Daniel Drouin poursuivre leur implication au sein du comité des loisirs et sports. Le terme de M. Daniel Poulin venait également à échéance le 13 octobre 2018. La résolution vise à ce que le Conseil confirme la nomination de messieurs André Lessard et Daniel Poulin à titre de membres du comité sports et loisirs pour la période du 13 octobre 2018 au 13 octobre 2020 et que des remerciements soient transmis à M. Daniel Poulin pour son implication au sein de ce comité. Proposé par M. Thomassin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.18. Démission d'une commis, oui, au comptoir de près de la bibliothèque municipale. Nous avons reçu la démission de Mme Lucie Despins, à titre de commis à la bibliothèque. Nous avons une recommandation de Mme Magali Plourde, directrice des ressources humaines et services juridiques, à l'effet d'accepter la démission. La résolution vise à ce que le Conseil confirme son acceptation de la démission de Mme Lucie Despins et lui adresse des sincères remerciements pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je l'appuie. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.19. Acceptation de nouvelles structures salariales des emplois étudiants temporaires non syndiqués, brigadiers et équipes de sauvetage.
Attendu la recommandation préparée par Mme Carole Paquette, directrice du service de loisirs de la culture, et par Maître Magali Plourde, directrice des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet d'accepter la nouvelle structure salariale des emplois étudiants temporaires non syndiqués, brigadiers et équipes de sauvetage, structure qui nous a été déposée la semaine dernière en comité qui concerne surtout une indexation de l'IPC. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte la nouvelle structure salariale des emplois étudiants temporaires non syndiqués, brigadiers, équipes de sauvetage, laquelle structure est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé par M. Redman, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.20. Embauche de commis au restaurant, préposé remontée mécanique, fabrication de neige, caissier et formateur pour le centre de ski. Alors, il y a le besoin d'embaucher du personnel au centre de ski avec la saison là, qui approche. Nous avons une recommandation de Mesdames Carole Paquette et Magali Plourde. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche du personnel temporaire suivant selon les conditions de travail prévues à la convention collective des employés du centre de ski pour les périodes prévues au rapport d'embauche joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit. Alors, caissière, Sarah-Anne Grégoire. Commis au restaurant, Isabelle Dallaire, Sarah-Anne Grégoire, Geneviève Lacaille. Préposé aux remontées mécaniques et fabrication de neige, Joanie Baudouin, Marc-Antoine Marquis, Sylvain Boulet, Émile Lapointe. Préposé aux remontées mécaniques, Alexis Brassard, William Lafontaine, Yvon Poulain, Jérémy Fecteau, Hubert Marcoux, Mathieu Rondeau, André Grenier, Jean-Michel Nadeau, William Roy. Formateur, Steve Couture. Apprenti mécanicien, Jean-Marc Dréan. Proposé par Mme Fortin. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. Le 6.21 et 6.22 sont reportés. Sont reportés. 6.23. Modification de la politique de gestion contractuelle. Attendu le besoin de modifier la politique sur la gestion contractuelle adoptée le 28 mars 2011. Attendu la recommandation de M. Claude Poulin, directeur général, concernant les modifications apportées à cette politique. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte la politique sur la gestion contractuelle comme s'il était jointe. En fait, elle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. C'est une suite logique là, au règlement de gestion contractuelle qu'on a vu tout à l'heure. Proposé par Mme Bougie et appuyé par? L'appuyé. M. Fortier-Renaud. Merci. 6.24. Renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain pour l'année 2019. Le Conseil désire renouveler son adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain pour l'année 2019. C'est un montant de 28 757,29. C'est un montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement de l'année 2019. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.25. C'est l'autorisation de travaux additionnels de caractérisation de l'espace Carpe Diem. Attendu que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques demande un complément d'informations concernant la caractérisation des sols à l'espace Carpe Diem avant d'autoriser les travaux complémentaires de la phase 1. Attendu l'offre de service reçue d'Anglo pour la réalisation de ces travaux au montant de 17 300 $ plus un suivi annuel au montant de 4 000 plus les taxes. Le projet de résolution vise à accepter l'offre de service d'Anglo pour ces travaux additionnels demandés par le ministère et que Mme Amélie Ferland, chargée de projet, soit autorisée à signer les documents utiles. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Redman. Merci. Ah, nous sommes rendus maintenant au dépôt de documents, le 7.1. Le 7.1, c'est le rapport de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 713-2018. C'est un règlement qui modifiait la création d'une réserve financière pour financer des projets d'immobilisation spécifiques. On avait 25 324 personnes habiles à voter, donc 2 543 signatures étaient requises pour aller en registre. Il n'y a eu aucune signature, donc le règlement est réputé être approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 7.2. 7.2, c'est pour c'est le rapport de la procédure d'enregistrement pour des personnes habiles à voter pour le règlement 717-2018. C'est un règlement qui autorisait des travaux de prolongement de l'égout sanitaire dans la 77-78e rue 8e avenue, ce qu'on appelle le secteur 1, au montant de 1 305 120,19. Nous avions 94 personnes habiles à voter. Ça prenait 20 signatures pour obliger la tenue d'un scrutin référendaire. Il y a eu 4 personnes qui ont signé, donc le règlement est réputé être approuvé. Après ça, nous avons la procédure d'enregistrement du règlement 718-2018, qui est le secteur 2 pour les travaux de prolongement des goûts sanitaires dans 77-78e rue, 10e avenue, 12e avenue, 14e avenue. Pour un montant de 1 541 105 $,
Nous avions 130 personnes habiles à voter. Ça prenait 24 signatures. Il y a une seule personne qui est venue signer, donc le règlement est réputé approuvé. Et enfin, le règlement 719-2018, qui est le secteur 3, soit 77e rue de la 15e avenue et la 22e avenue, et la 78e rue du 15-76 jusqu'au 16-40, pour des travaux de 651 676 $. Nous avions 82 personnes habiles à voter, ça prenait 19 signatures, il y a eu 2 signatures seulement. Donc là aussi, le règlement est réputé être approuvé. Merci. Le 7.3. 7.3, c'est le dépôt du rapport financier comparatif des revenus et dépenses pour l'année en cours. Ça a été fait par Mme Karine Veilleux, trésorière et directrice du service des finances. Donc, actuellement, au niveau du budget d'opération, du budget de fonctionnement, nous avons un écart favorable, donc un surplus de 3 054 303 $. Au niveau du plan triennal d'immobilisation, nous avons les immobilisations sont moins élevées que prévues pour un montant de 6 219 411 $, ce qui réduit l'emprunt prévu de 3 600 000 $. Merci. Le 7.4. 7.4, c'est la liste des permis et certificats émis par le service d'urbanisme au mois d'octobre 2018. Nous avons un total de 141 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 7 481 593 $. Et 7.5? 7.5, c'est le résumé comparatif depuis le début de l'année des permis et certificats émis au service d'urbanisme. Donc, pour cette année, nous avons un total de 1790 permis et certificats pour des travaux de 90 143 000 et 177 nouveaux logements. L'an passé, nous avions 1788 permis et certificats pour des travaux de 66 625 000 et 202 nouveaux logements. Merci. On remercie les promoteurs qui font confiance à la Ville de Saint-Georges. 90 millions à date, c'est un record. Depuis que la ville existe, là, depuis la comptabilisation des… Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a un 20 millions qui est la réfection du quai. Oui, mais l'année record avant, il y avait 20 millions qui était l'usine d'infiltration. Ah. Fait que, pas mal égal. Hein? Okay. Au niveau de la correspondance, 8.1. Une première lettre qui nous vient du lieutenant-colonel S. Lapointe de la Défense nationale. La Défense nationale, liée à l'unité régionale de soutien aux cadets de la région de l'Est, a procédé à la remise de la mention élogieuse du commandant à la ville par le lieutenant-colonel Serge Lapointe. Cette mention vient reconnaître le leadership et l'implication de la ville depuis de nombreuses années auprès du corps de cadets 26-25 de Saint-Georges et de l'escadron 890 de Saint-Georges aussi. On y souligne que l'engagement extraordinaire des membres actuels et passés du conseil municipal afin de permettre le développement de la jeunesse locale, permet les succès que connaît le programme des cadets dans la communauté. La ville de Saint-Georges est la deuxième ville au Québec à recevoir cet honneur. Nous avons une deuxième lettre qui nous vient de M. André G. Bernier, directeur général par intérim, la direction générale des programmes d'aide au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Ils nous font parvenir le second versement au montant de 236 233 $ dans le cadre du programme de subvention au transport adapté 2018. Monsieur Alain Gelly, le président Adauberge Chaudière-Appalaches, et Monsieur Jonathan Dussault, directeur général, font parvenir des remerciements pour la collaboration et l'appui de la municipalité concernant leur demande d'exemption de taxes municipales qui a été acceptée par la Commission municipale du Québec. M. Normand Fauchon, directeur de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique au ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur, nous fait parvenir le 8e versement au montant de 153 220,24 en vertu du programme de soutien aux installations sportives récréatives pour notre projet d'aménagement de 2 terrains de soccer. Et enfin, M. Francis Rancourt, directeur général, Mme Catherine Leblanc, présidente de la Corporation Grand Prix Cycliste de Beauce. C'est des remerciements pour la participation financière et technique de la municipalité dans le cadre du Tour de Beauce qui s'est déroulé du 13 au 17 juin 2018. Merci. Maintenant, nous allons passer au compte-rendu des dernières réunions auxquelles vous avez assisté. Je commence à ma gauche. C'est beau. Mme Bougie.
Oui, moi, Monsieur le maire, aujourd'hui, c'était le comité de la famille. Donc, cet après-midi, on a eu une rencontre là, avec beaucoup de sujets qui ont été discutés. Entre autres, on a l'intention de faire un sous-comité pour la journée des aînés. Fait que vous savez qu'au mois d'octobre, là, on a toujours une journée des aînés. Et puis, l'an prochain, ça sera le 10e anniversaire. Donc, on essaie de revoir un peu là, notre journée, puis on va travailler là-dessus là, dans les prochains mois pour revenir avec quelque chose. On a aussi regardé l'analyse au niveau de la tarification, là, fait qu'on aura des points à vous ramener aussi. Puis je tiens à remercier toutes les gens qui siègent là, sur nos comités. On a des belles rencontres, puis les gens s'impliquent. Donc, merci à ceux qui sont bénévolement là pour venir avec nous discuter. Je voulais aussi vous dire qu'aujourd'hui commençait le début de la prévente pour les billets de saison au centre de ski. Donc, vous avez jusqu'au 23 novembre pour vous prévaloir du prix en prévente. Ça se passe au centre de ski de 8h30 à midi, 13h à 16h, du lundi au vendredi. Mais il y a aussi des soirs où ça va être ouvert là, pour être plus accessible. Donc, vous pouvez aller voir sur notre site Internet pour avoir les différents soirs là, où ça va être ouvert. Il y aura des nouveautés au centre de ski. On a pu voir que vous avez presque essayé le snow scoot. Ouais. Donc, ça s'en vient, là, une nouvelle... c'est ça, hein? Alors, ça ressemble presque à une trottinette, mais avec des skis, là. Donc, ça pourrait être essayé au centre de ski. Puis, il y a deux nouvelles pistes aussi qui vont être éclairées. Donc, on est vraiment chanceux là, d'avoir ça dans notre ville. Là. Aussi, samedi qui vient, le 17 novembre, aura lieu le bazar de ski. Donc, ceux qui veulent échanger leurs équipements, des fois avec les enfants, ils grandissent, on peut avoir des équipements là, à prix intéressants. Puis, on peut ramener aussi nos vieux équipements. Donc, jeudi, vendredi, s'il y en a qui veulent ramener leurs équipements pour être vendus au bazar, là, ça aura lieu cette semaine. Voilà. Merci beaucoup. J'ai eu la chance de vous remplacer la semaine dernière au dîner-conférence Ville de Saint-Georges. La Ville s'implique beaucoup avec nos commerçants, nos gens d'affaires. Le sujet, c'était l'économie au Québec, risque ou opportunité. On a eu la chance d'avoir M. Claude Gagnon, président des opérations PMO, groupe financier. Il est venu partager son point de vue sur les enjeux et les facteurs qui vont influencer l'économie du Québec dans l'avenir. C'était vraiment intéressant. Il est optimiste? Il est optimiste. Merci. M. Thomassin. Oui, 23 octobre, on a eu un comité loisirs et sports. Manon en a parlé, on avait parlé des nouveautés au centre de ski, donc des nouvelles pistes éclairées, tout ça. Et on a discuté aussi un peu de l'avenue du hockey collégial masculin et féminin, voir si on avait des disponibilités d'heures et tout ça. Fait que c'est à venir. Puis tantôt, on a parlé, je veux quand même remercier M. Daniel Poulin, qui a été quand même pendant plus de 10 ans sur le comité. Il était art et culture, loisirs et sports, et il était longtemps aussi à la Maison des jeunes. Donc, c'est quelqu'un qui a donné pendant plusieurs années. Il est parti à l'extérieur, c'est pas quoi s'il était tanné, étant donné qu'il va rester à Montréal. Donc, il est parti, donc on le remercie beaucoup. Comité de sécurité publique, le 6 novembre... Ils nous ont présenté des statistiques, tout ça. Il n'y a rien eu de spécial, sauf qu'ils nous ont dit qu'en avril 2019, le nouveau poste de sûreté du Québec serait commencé. On nous l'a confirmé. 7 novembre, on a eu un comité des fêtes. Je vais vous parler de trois activités, mais deux qui s'en viennent assez rapidement. Le 8 décembre, à 19h, c'est un samedi soir, on va avoir cette année, on a notre défilé de Noël. Donc, on va avoir 9 chars allégoriques, 2 fanfares, 2 troupes de danse, 12 sortes d'animations et ça va commencer à 19h pour se terminer vers 20h15. C'est sûr que le boulevard, ça va être à la même place que il y a 2 ans, à partir du parc Pomerleau, aller jusqu'à l'école Fortier. Donc, le boulevard Dionne va être fermé à compter de 17h. Fait que pour ceux des fois qui sont pressés, tout ça, passez par la 15e rue ou par la 36e rue pour aller un peu plus dans l'ouest. Sans ça, vous allez attendre. Mais venez plutôt participer au défi de Noël, c'est très intéressant. Voir le solstice, je vais en reparler un peu au début décembre. Voir le solstice d'hiver qui va avoir lieu le 19 décembre. Et j'en parle tout de suite, la fête du Nouvel An, qui est le 31 décembre. On a une bonne programmation, il y a un igloo, il y a des feux d'artifice à minuit.
C'est les groupes Twin Brothers qui vont animer pendant toute la veillée. Ça va être compté de 21h jusqu'à 00h45. 45 minutes, excusez, pas 45 heures. Donc, venez en grand nombre. Vous pouvez délaisser Québec ou d'autres choses. Vous n'avez pas grand-chose à faire ce soir-là, d'autres activités. Venez en arrière du centre de la Croix-du-Tille. On va vous attendre. On espère. L'année passée, c'est vrai, il a fait frais, il a fait moins 25. On devrait avoir plus chaud cette année. On ne l'a pas commandé, mais ça devrait s'améliorer. Et enfin, aussi, j'ai assisté avec vous pour la mention élogieuse du commandant. C'était très intéressant à assister. On a eu les nouveaux arrivants aussi jeudi passé. Je pense que Solange va en parler. Puis il y a eu le 50e, c'est du centre La Croix-du-Tille. Donc, je vais vous laisser élaborer. Merci, M. Thomassin. J'avais peur que vous nous disiez des secrets. Là. Madame Fortin. Oui, merci. Oui, il y a eu la réunion du comité des loisirs. Je pense que M. Thomassin a fait le tour. Sinon, moi, je suis allée au vin et fromage du comité de jumelage, pardon. Saint-Georges-Lisieux. Il y avait quand même près de 200 personnes sur place là, pour, comme dans, à l'activité de financement qui a été une belle réussite. Donc, c'est ça. Ça, c'était le 3 novembre. Sinon, juste avant ça, le 27 octobre, il y avait une journée porte ouverte au centre de tri à Tedford auquel je suis allée parce que j'étais bien curieuse de visiter ça. Et puis, j'étais contente d'apprendre que, contrairement à ce que les gens pensent, ben c'est seulement 4% de ce qui est envoyé à Tedford, qui ne sera pas envoyé dans du recyclage, donc il va se retrouver peut-être au dépotoir, et souvent, c'est peut-être des choses qui auraient à la base pas dû aller dans le bac. Donc, on a un bon centre de tri. Ça vaut la peine de bien remplir son bac bleu. Merci. Madame Thibodeau. Oui. Alors, le 24 octobre, j'étais au concours Clin d'œil. Ça se passait au Centre culturel Marie-Fitzbach. Il y avait plusieurs participants de Saint-Georges et aussi de l'extérieur qui ont participé. 73 photos ont été présentées. Il y en a 26 qui ont été sélectionnées. Le thème était « Faune et flore de chez nous ». On a remis des prix d'une valeur quand même de 1 000. On a beaucoup de commanditaires. On tient à les remercier. Je ne les nommerai pas tous parce que je sais que on n'en dit pas trop, là, mais bon, c'est ça. Alors, c'est le premier prix a été remporté par M. Yves Couture. C'est un colibri. Écoutez, le petit colibri, là, vous voyez comment ça va vite, hein, M. le maire? Ça va aussi vite que vous. Il voyait même les petites pattes pour le petit bec ouvert. C'était tellement cute, mais tu sais, il faut avoir l'équipement. Mais il y avait des très, très belles photos. Alors, la thématique pour 2019, c'est jaune. Alors, tout ce qui est jaune... Ça peut être photographié, ça va faire une belle salle, ça va être très éclatant. La publicité va apparaître sur le site web en février, alors surveillez ça pour les amateurs de photos. Le 25 octobre, j'étais à la soirée des masques avec mon ami, avec mon ami Renaud. Je ris, mais c'est parce que la soirée des c'était toi qui étais supposé en parler. La soirée des masques. OK. La soirée des masques depuis plusieurs années. Arrêtez, riez pas. La soirée des masques depuis plusieurs années, on arrive là masqué. Et puis là, nous autres, on a mal à regarder. On a mal à regarder notre coupon. On est arrivé masqué. On était beau, par exemple. Mais nous étions sur les deux seuls. Mais c'est pas grave. Tout ça pour dire que... Ils vous ont reconnu? On l'a enlevé avant qu'ils nous reconnaissent. Vous avez été démasqué. Alors ça, c'était le 25 octobre. Ça se passait toujours au Barry Grill. Et puis, vous savez, la soirée des masques, ben, ça se passe depuis chaque année. Hein, tu es toujours masqué, mais là, l'année prochaine, nos masques, on les a regardés, par exemple. Alors, ça, c'est toutes les associations communautaires. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. À Saint-Georges et même de l'extérieur. Alors, tout le monde est là. Ils sont là dans le but de se connaître, d'échanger et puis de faire une belle fête. Alors, voilà. On a eu beaucoup de rire. On a eu beaucoup de plaisir. Hein? À part de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, le 31 octobre,
On n'a pas passé l'Halloween, j'ai donné des chocolats à tout le monde, au comité Henri Culture. Alors, à Henri Culture, c'est toujours très plaisant de rencontrer ces gens-là, ils sont pleins d'idées. D'ailleurs, surveillez au mois de janvier, on va mettre sur, on va vous parler d'un concours qui va être pour la population, pour tous les âges. Alors, j'en dis pas plus parce qu'on va faire une conférence de presse là-dessus. Messieurs, vous serez invités. Et on a parlé aussi de notre politique culturelle, parce que Saint-Georges a une politique culturelle, et le plan d'action est déjà à refaire. Alors là, je profite de cette tribune pour dire aux gens, vous savez, parfois, vous pouvez avoir des idées. Bien, contactez-moi ou contactez quelqu'un de la ville pour émettre vos idées, parce que on veut, au point de vue culturel, faire des choses où ce que tout le monde va avoir, prendre plaisir, et ça fait des lieux de rencontre, et c'est toujours agréable. Alors, puis c'est pour faire connaître le patrimoine, la musique, peu importe. Si vous avez des idées, bien, dites-nous-les, parce qu'on est en train de travailler sur le plan d'action des 3 prochaines années. Aussi, vous savez, on parlait tout à l'heure, vous parliez de votre comité sportif, loisirs et tout. J'en profite pour dire aux gens, si ça vous tente de vous impliquer, on a toujours besoin de monde au sein de nos comités. Alors, vous pouvez contacter Jean ou Claude ou quelqu'un de la ville pour donner vos noms et dire dans où vous aimeriez être. Le 8 novembre, on a rencontré, vous savez qu'on veut faire un agrandissement de la bibliothèque. Les plans et devis sont prêts. On a rencontré Mme Bertrand, qui, elle, est au ministère de la Culture. Alors, on l'a rencontrée pour l'agrandissement. C'est work in progress. Je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Je pense que la culture, c'est aussi important que le sport. Et je pense qu'on devrait aller de l'avant. N'est-ce pas, M. le maire? On pourra en discuter. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. Si jamais ça vous intéresse, laissez-nous le savoir. Il faut le dire qu'on est intéressé. Le sport, loisir, oui, mais culture, ça fait un tout. Surtout si on veut rejoindre des gens. Vous savez qu'on a eu une belle soirée l'autre soir avec des nouveaux arrivants. Et puis, je pense que pour accueillir ces gens-là, il faut avoir un tout. Puis notre ville est en plein essor. Alors, il faut vraiment voir sur tous les paliers. À part de ça, le musée des Lilas, vous savez que le musée des Lilas, maintenant, fait du parrainage. Oui, oui. Il y a déjà 5 parrains qui sont là, parraines. Alors, ça vous coûte 300 $ pour 4 ans et vous allez parrainer un Lila. Vous allez avoir une belle plaque à votre effigie. C'était le 8 également. Je vous remplaçais. Vous ne pouviez pas être là. C'était une belle rencontre. Il faisait frais en Titi, par exemple. Mais c'est pas grave. Les petits là, ils se tenaient. Il y a le 8, il y a eu le cocktail des nouveaux arrivants. Monsieur Thomasset en a parlé. On était plusieurs. On était une centaine au-dessus. Toutes sortes de monde, avec toutes sortes de cultures. Ils en profitent aussi pour se connaître entre eux autres, parce qu'il y en a qui viennent du Costa Rica, ils parlent espagnol, d'autres viennent du Mexique, ils parlent espagnol aussi, alors ça fait des liens. Et la ville, on leur a remis une pochette avec tout ce qu'on peut offrir comme activité qui est tout à fait gratuite. Et ça, Dieu sait que Saint-Georges est très proactif à offrir des activités. Alors, je dis à tout le monde, si vous voyez quelqu'un qui parle espagnol, bien, profitez-en pour aller parler peut-être espagnol. Peut-être que, c'est bon. C'est bon. Il y a plus d'une centaine. Comment vous dites? Il y a plus d'une centaine. Ah oui, il était plus d'une centaine. Combien de pays qu'il y avait? 14. 14 pays différents. Oui. Alors, c'est un plus pour notre ville. À part de ça, bien, le Centre d'art, il y a toujours des expositions qui vont changer très bientôt, sont en travail. Vous pouvez aller voir sur le site web, mais aussi la page Facebook du Centre d'art. Le 16, 17 et 18 novembre aussi, il va y avoir le Salon des artistes et artisans. Alors, il va y avoir une petite tempête de neige, ça va vous mettre dans l'ambiance des fêtes. Mais profitez-en pour aller acheter vos cadeaux. Hein? Je vous parle? Oui, oui, vous m'écoutez, là? Bon. Allez-y avec du cash. Et puis, le 2 décembre, c'est David Jacques. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est de Saint-Georges. C'est un guitariste hors pair. Il est vraiment quelqu'un. Alors, lui, c'est à 15 h qu'il va avoir Histoire de la guitare. À
part de ça, ben, je donne. Vous voulez parler de la soirée des bains? Non. Non? C'est à votre tour. Merci, c'est madame. Tout, merci. Moi, je vais souligner que le 2 novembre, on est allé à un souper de financement pour l'accueil grossesse, une soirée qui a été au Barry Grill. On était au moins 125 personnes facilement. Et puis, c'était une occasion de connaître l'organisation, l'organisme qui vient en aide, qui fait de l'accueil et écoute. Les jeunes dames qui sont en grossesse, qui deviennent en grossesse soit tardive ou plus tôt que que ça n'entendait pas, qui ont des problématiques aussi. Ça fait que c'est un organisme que les gens qui ont tout intérêt à connaître. Ça fait que le 2 novembre, c'est une soirée de sensibilisation et de financement pour cet organisme-là. Ensuite de ça, du 5 au 15 de novembre, c'était pratiquement terminé, mais la table régionale en économie sociale de Chaudière-Appalaches souligne la 10e édition de la semaine de l'économie sociale. La soirée de jeudi dernier a été soulignée par un cocktail et une soirée à Lévis, ce qui fait que dans notre MRC, c'est 23 entreprises qu'on peut considérer qu'en économie sociale. L'économie sociale, c'est un des OSBL qui donne des services à la population. Ça fait que c'est 789 personnes qui y travaillent avec un chiffre d'affaires de 34 millions. Ça fait que c'est important pour la MRC. Et puis, en fin de semaine, le jeudi, c'est lors de la soirée, c'est la Pavillon du Cœur qui a reçu un prix pour s'être démarqué dans la réalisation et des pratiques de gestion en ressources humaines. Ensuite de ça, vous avez le village aventurier de Saint-Jules pour une stratégie de marketing innovante et la coopérative de santé de Lévis qui a reçu un prix aussi. Ça fait que c'est des organismes qui viennent en aide à différentes personnes qui ont besoin. Ça fait que puis c'est des OSBL sans but non lucratif, ce qui veut dire que c'est redonné à la communauté au complet. Ça fait que c'est à souligner. Ensuite de ça, j'ai vu aujourd'hui sur les médias sociaux que Boisfranc a gagné un beau prix en fin de semaine à Toronto. Eux aussi, c'est au niveau de la pratique de gestion des ressources humaines, un prix qui a été. Ils ont été remarqués pour la grandeur du Québec. Ça fait que je pense que c'est important de le dire. Et quand on voit ça sur les médias sociaux, c'est une entreprise qui est implantée à Saint-Georges depuis 35 ans, qui fait son 35 ans cette année. Ça fait que Boisfranc, c'est une belle organisation qui a 400 employés, si je ne me trompe pas, au total. Ça fait que pour Saint-Georges, c'est important. C'est pour ça que nous autres, on est là pour donner le plus de services possible, faire en sorte de garder ce beau monde-là, puis que les entreprises prospèrent dans la Ville-Saint-Georges. Ça fait que c'est beau. Alors, merci. Merci pour ça. À moi, de mon côté, il y a eu des rencontres politiques pas mal. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer M. Andrew Scheer pendant une vingtaine de minutes, où j'ai eu la chance d'exposer à peu près tous les dossiers vivants à Saint-Georges et nos besoins. Par la suite, j'ai rencontré Andrew Scheer étant le chef d'opposition au Parti fédéral. Alors, on n'a pas eu de photo, ça a été correct. Ensuite, j'ai rencontré Mme Leboutillier, qui est la ministre de Revenu Canada, qui j'ai eu la chance de parler avec pendant près de 3 heures. J'ai donné une visite de la ville de Saint-Georges. En gros, elle était impressionnée, puisque c'était la première fois qu'elle venait ici. Sauf qu'elle était venue en 1976, je pense, lorsqu'elle était étudiante au cégep. Elle avait trouvé que la ville avait changé pas mal. Grâce à elle, en tout cas, j'ai parlé un peu aussi la même chose que j'ai parlé avec M. Scheer. J'ai parlé à peu près de tous les projets. Et puis, elle m'a organisé une rencontre que je devrais faire dans les prochains jours, les prochaines semaines, avec M. François-Philippe Champagne, qui est le ministre des Infrastructures au gouvernement fédéral. Parce qu'on a des dossiers qui pourraient accélérer si on pouvait aller de l'avant, mais je n'en parlerai pas, je ne donnerai pas les détails, là, parce que je ne veux pas créer d'attente. Mais avec Mme Leboutillier, on s'est mis d'accord que certains dossiers de la ville de Saint-Georges mériteraient qu'ils soient regardés dans les différents programmes qui existent au fédéral. Ensuite de ça, j'ai rencontré M. Samuel Poulin, notre nouveau député,
Très bonne rencontre. Une rencontre d'une grosse heure qu'on a eue ensemble. On a passé à travers tous les projets. Écoutez, très réceptif, connaît nos dossiers. Il était préparé, lui aussi. C'est sûr qu'on on expliquait un peu de la façon qu'on travaillait pour justement faire avancer nos dossiers. Puis M. Samuel Poulin, il est très, très coopératif. Je pense que nos dossiers sont en bonne main, ça avance. Et puis même avec... on a deux, Beauce-Nord aussi. Le provincial, il connaît nos dossiers pour avoir été président de la TREMCA. Alors, je pense qu'on est en bonne main. On est du bon côté. Et puis, j'espère toujours que nos dossiers vont avancer de façon assez rapide. Mentionné que M. Thomasin, on a souligné le 50e anniversaire de la construction de l'aréna. Écoutez, on avait une belle brochette d'invités pour le 5 à 7, mais sans les nommer tous, mais je peux vous dire qu'il y avait un membre du Conseil du temps qui avait participé à la levée des fonds, M. Gilles Fortin. Il était membre du Conseil avec le Dr Victor Cloutier, qui avait pris la décision de lancer une levée de fonds, puis éventuellement de construire le nouvel aréna qu'on connaît, qui était le Palais des sports dans le temps, qui est devenu le CIS, le Centre sportif La Croix-du-Tille. Il y avait aussi M. Luc Lessard avec sa famille. M. Lessard, c'est lui qui avait compté le premier but dans la Ligue Beauce-Dorchester du temps. Alors, c'était la première partie qui a eu lieu ici, c'était contre Lac-Etchemin. On avait battu Lac-Etchemin 7-0 et M. Luc Lessard avait compté le premier but de l'histoire du Palais des sports de notre aréna. Alors, il était accompagné de sa famille, il était bien content. Bien sûr qu'on avait les descendants de la famille du Dr Cloutier, son fils et son petit-fils, qui ont bien voulu, ils sont l'épouse de M. Cloutier aussi qui était ici. Alors, très heureux qu'on ait mentionné leur présence, qu'on les ait invités. Parce que sans la vision du Dr Cloutier et de son équipe du temps, peut-être on jouerait encore à l'extérieur, ça me surprendrait, mais en tout cas, on les remercie parce qu'ils ont fait avancer. Dans le temps, ça allait pas, c'était pas comme aujourd'hui, là. Les levées de fonds étaient plus faciles. En février 1968, la décision était prise de construire, d'aller faire une levée de fonds. Puis en novembre, soit 9 mois plus tard, on patinait déjà dans l'aréna. Alors aujourd'hui, si on voulait faire la même chose, avec tous nos confrères qui nous empêchent d'avancer, ça serait difficile. Mais, que voulez-vous, c'est la vie. Ensuite, on a souligné l'armistice. Alors, je voulais féliciter la Légion royale canadienne qui, encore cette année, a organisé le 11 novembre, le jour du souvenir. Écoutez, il y avait beaucoup, malgré la température très froide, très humide, je pense qu'on a battu des records de participation. C'était très, très, très bien. Mais pas chaud, puis il ventait énormément. Les couronnes, on courait après les couronnes autour du cénotaphe. Oui, d'ailleurs, vous n'aviez pas de chapeau sur la tête. Puis Samuel n'avait pas de chapeau, il n'y avait pas de gants. Maxime non plus, c'est terrible. S'habillez-vous, oui, mais, vous allez être malade. Pensez à ceux qui ont combattu en 14-18, là. Oui. Il y avait des chapeaux, mais ça passe à travers. Oui, mais il ne faut pas que vous soyez malade, on a besoin de vous autres, là. En tout cas, bravo encore à la Légion royale canadienne pour la belle cérémonie. Je vais souhaiter bonnes vacances à M. Thomasin qui nous quitte demain pour la chaleur. Lui a compris. Il est venu à l'armistice, puis il s'en va à la chaleur. Bonnes vacances, bon congé. Puis je voudrais souligner aussi, souhaiter les bons prompts rétablissements. Vous avez remarqué que M. Jean Perron, ça fait déjà une couple de séances qui n'est pas là. C'est qu'il y a eu une opération importante. Il est parlé cet après-midi, il va très bien. Il vous salue tout le monde. Il va revenir, ça ne sera pas long. Il voulait revenir, j'ai dit, écoute, prends du temps. Pense à toi aussi, là. Parce que c'est important de revenir en forme. Et puis, mais il nous écoute, je suis certain. Alors, salut Jean, repose-toi. On s'en vient avec le budget, à la fin novembre, début décembre. Ça fait que ça va te prendre un bon cœur. C'est à peu près tout, là, ce qui demeure pour les rencontres et mes activités. Alors, point de dernière minute. Avant qu'on passe aux questions du public et du conseil, c'est beau. Questions du conseil, avez-vous des questions, commentaires supplémentaires à ajouter à cette séance du conseil et public? Merci beaucoup. Alors, on est rendu à la levée. J'ai proposé la levée. Proposé par Mme Bouger et appuyé par M. Thomasin, juste avant de partir pour les vacances. Prochaine réunion, le 26 novembre. Prochaine séance du conseil, le 26 novembre. Merci. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.